Salut les amis, bienvenue chez Exomadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo sur Apex Legends dans laquelle on va faire un récap des buffs et des nerfs de la saison 19 parce que hier soir on a eu plein d'informations. On a eu tous les créateurs EA Network qui ont balancé toutes les informations qu'ils ont pu avoir pendant des playtests et du coup j'ai pu récupérer toutes ces informations là et aujourd'hui je vais vous faire un récap plutôt propre et concis. Par contre, je vais vous dire quelque chose, j'ai juste halluciné. Hier soir, j'ai regardé les vidéos de tous les créateurs qui parlaient des capacités officielles de conduite. Il n'y en a pas un seul qui a dit les mêmes informations. Il y en a qui ont dit des approximations, il y en a qui ne savaient pas répondre à des questions. Franchement, je suis désolé, hein, je vais paraître peut-être un peu hautain, mais pour des gens pour qui c'est le job principal ne pas réussir à retranscrire trois capacités d'une légende proprement et sans rien oublier, je trouve ça un peu limite. Donc, avant de commencer les buffs et les nerfs dans cette vidéo, je vais vous parler des capacités officielles de conduite. Donc, au niveau de son passif, on avait bien raison. Sa vitesse de déplacement va être augmentée pour se rapprocher de ses alliés à condition qu'elle soit en face de ses alliés. C'est-à-dire qu'il faut que dans sa visu, elle ait ses alliés. Voilà, c'était écrit noir sur blanc, notamment Hyper Mist en a parlé. Et il faut aussi qu'elle soit hors de portée de sa capacité tactique. Si elle est hors de portée de sa capacité tactique et qu'elle est face à ses alliés, elle aura ce buff de vitesse qui va être semblable au buff de vitesse de Bangalore. Par contre, si jamais elle est hors de portée de ses alliés mais qu'elle est de dos, qu'elle ne les regarde pas, ça ne marchera pas. Donc c'était important de le préciser. Donc voilà, conduite ne va pas courir à 2000 à l'heure en permanence. Donc ça, il fallait le préciser, il n'y en a pas un seul qui a été capable de le dire. Ensuite, au niveau de son actif, ils ont tous donné les mêmes informations, mais il n'y en a pas un seul qui a dit que tout d'abord, l'envoi du shield était temporaire, ça a été dit. Donc vous allez pouvoir vous régénérer votre shield à vous-même en tant que conduite et à un de vos alliés. Body Boy, lui, il a précisé que c'était possible à travers les murs et je l'en remercie parce que c'est le seul qui a donné cette information. Par contre, personne n'a dit que ça régénérait 3 barres seulement. Voilà, seulement 3 barres. Il y en a même qui ont dit « Ouais, ça peut vous régénérer un shield rouge en entier. » Non, 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 non. 3 barres seulement. Et si jamais vous prenez des dégâts, ça aussi, personne ne l'a dit. Si vous prenez des dégâts en tant que conduite ou si votre allié prend des dégâts, la recharge du shield s'arrêtera. Donc voilà, c'est très important aussi parce que si jamais vous balancez l'actif et que votre allié prend des dégâts au moment où vous lui balancez l'actif dessus, ça va se stopper net, ça va se mettre en pause. Donc du coup, le shield ne va pas continuer à monter. Alors après, comme j'ai pas joué, je n'ai pas l'information. Si jamais vous ne prenez plus de dégâts, est-ce que ça continue à augmenter? Donc voilà, la question est à se poser, on aura la réponse assez rapidement. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le régène et le shield temporaire, ça dure qu'un seul temps, c'est limité au bout de quelques secondes. Alors je n'ai pas l'information parce que personne n'a été capable de dire aussi le bon nombre de secondes, mais normalement, une fois que vous avez utilisé votre actif, il y a un cooldown et après, forcément, le shield temporaire disparaît. Ensuite, au niveau de l'ulti, elle va envoyer 7 batteries de titans qui vont se déployer au sol et qui vont se mettre en place et ensuite se connecter pour délimiter une zone qui ensuite va ralentir les ennemis qui vont donc passer dans cette zone. Ça va leur faire 10 de dégâts et cette zone avec ses piliers vont durer 55 secondes et ils seront destructibles. Donc ça aussi c'est important à savoir, 55 secondes c'est destructible, ça ralentit les ennemis et ça leur fait 10 de dégâts par tick. Voilà, donc ça ce sont les capacités officielles de conduite avec un maximum d'informations et un maximum de précision. Maintenant, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et let's go, on passe au buff et au nerf en allant sur le compte Twitter de Hyper Mist. Nous voilà donc sur le compte Twitter de Hyper Mist et les premiers changements, ce sont un nerf pour Catalyst. Alors, vous allez voir, on va le mettre en français aussi. Sa capacité tactique ne pourra plus bloquer des projectiles. Si vous avez regardé des tutos récents sur Catalyst, tout le monde vous disait dans un combat au corps à corps ou même à distance, n'hésitez pas à mettre une bande perçante au sol pour vous mettre derrière le noyau pour essayer de tanker des dégâts. Eh bien, ce ne sera plus possible. Donc ça, c'est un bon nerf quand même. Ensuite, pour ces bandes perçantes, toujours, ça a été réduit à 2 au lieu de 3. Effectivement, Catalyst pouvait jeter 3 bandes perçantes au sol, elle ne pourra en faire plus que 2, et la portée a également été réduite, parce que je vous rappelle qu'on pouvait les envoyer vachement loin. Ensuite, la durée de l'ulti de Catalyst, le fameux mur noir, a été réduite de 5 secondes et le temps de recharge de son ulti commencera désormais lorsque le mur sera apparu totalement, alors qu'avant c'était au moment où elle faisait son sort et au moment où il se déployait. Donc forcément, ça va faire un cooldown plus long au niveau de la recharge et puis aussi il va rester 5 secondes de moins en place.
Ensuite, un petit nerf pour Bangalore. Alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment, je joue Catalyst et Bangalore. Donc, c'est super. Deux légendes qui se font nerf. Je pense vraiment que je vais jouer Conduite en saison 19. On commence donc avec son passif au niveau de la durée du boost de vitesse de Bangalore. Eh bien, il a été réduit. On ne sait pas de combien de secondes, mais il a été réduit. Donc, c'est un nerf quand même assez significatif parce que ce passif était très intéressant. Enfin, il est très intéressant, mais il va l'être un peu moins. Ensuite, le temps que la fumée de la capacité tactique de Bangalore s'évapore a été réduit également. Donc ces smokes vont rester moins longtemps à l'écran. Et puis ensuite, pour son ulti, la durée de l'étourdissement quand vous prenez les missiles de Bangalore sur la tronche, eh bien cet étourdissement a été également réduit. Donc c'est quand même un nerf assez significatif pour Bangalore. Je suis pas sûr que son pick rate chute trop par rapport à ça, mais en tout cas, c'est la première fois qu'elle se prend un gros nerf, parce que là, c'est quand même un nerf significatif. Ensuite, on a le retour de l'arc Bocek au sol. Apparemment, sa vitesse de tir initiale va être un petit peu plus rapide. Ensuite, le modèle de Chatter Cape va être resserré. Vous savez, quand les flèches partent en espèce de petit triangle. Et ensuite, il y aura une nouvelle option qui permettra de désactiver l'éclatement quand vous êtes justement en Chatter Cape. Alors franchement, j'ai du mal à comprendre. Faudra voir en jeu ce que ça donne, parce que là, un petit peu flou comme explication. Ensuite, au niveau de la M-Lock, eh bien, nerf tout simple, là, les dommages sont réduits de 22 par balle à 21, tout simplement. Un petit nerf parce que cette saison était quand même assez puissante, la M-Lock. Ensuite, au niveau du répéteur 30-30, ils ont augmenté la propagation des tirs quand vous êtes accroupi, donc en hip-fire, ce qui va réduire aussi la précision des tirs consécutifs. Donc, un petit nerf aussi pour le 30-30 qui s'avérait être plutôt puissant dans cette saison 18. En revanche, concernant Vantage, on a un petit buff pour Vantage puisqu'elle va recevoir une balle supplémentaire dans son ulti, donc dans son fusil sniper, ce qui va faire qu'elle va avoir 6 balles au lieu de 5 balles. Donc c'est quand même assez sympa parce que le sniper de Vantage, il fait quand même relativement mal. Alors ici, petite pause détente, je vous montre les deux skins du Battle Pass. Ici, on a le skin d'Octane et le skin de Rempart. Je vous avoue, je suis pas très fan du design, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que certains d'entre vous vont kiffer. Et puis ici, on retrouve des skins épiques aussi dans le Battle Pass, avec un skin épique pour Watson, un skin épique pour Rempart et un skin épique pour Newcastle. Allez, on continue sur les buffs et les nerfs. C'est donc au tour de Newcastle d'avoir un buff. Ils ont réduit le temps nécessaire pour retirer votre arme après avoir placé un mur. Et de plus, sa hauteur de saut a été également augmentée. Alors je pense qu'il parle du saut quand il fait son ulti tout simplement. Donc voilà, au niveau de Newcastle, c'est un petit buff léger. Et je vous le redis encore une fois, Newcastle, c'est une légende qui est clairement sous-cotée. Ensuite, un petit buff pour Vrace. Eh oui, Vrace qui reprend un petit buff parce que qu'est-ce qu'elle a pris comme nerf ces dernières années. Donc sa tactique ou son ultime n'a reçu aucun changement. Aïe, c'est un buff pourri alors. En fait, au lieu d'avoir buffé sa tactique et son ulti, ce sera tout simplement son passif qui devrait être plus fiable. On devrait maintenant entendre des plaisanteries avant de mourir. Alors ça, franchement, ça me bat les couilles, hein, c'est pas un buff. Mais en fait, apparemment, on devrait avoir plus d'infos avec son passif quand quelqu'un est en train de vous viser. Personnellement, je m'attendais à un truc plus ouf. Bon, voilà. Après, c'est vrai qu'elle a quand même eu un buff avec son portail qui était vraiment, je crois, doublé, voire triplé au niveau de sa portée et au niveau de sa longueur. Donc oui, j'abuse un petit peu. Elle avait quand même déjà eu des buffs il n'y a pas très longtemps, notre ami Vrace. Alors ensuite, pour Pathfinder, il pourra désormais scanner les care packages, même après qu'une autre légende skirmisher l'ait déjà scanné. Donc bon, pour l'instant, c'est pas un truc de fou. Et ensuite, vous pourrez aussi obtenir votre ulti, donc recharger votre tyrolienne directement et réduire le temps de recharge à chaque fois que vous scannez également. Donc ça, c'est pas mal, ça va peut-être permettre de spammer un petit peu plus son ulti. Après, c'est vrai que sur Pathfinder, les changements ont toujours été mi-fig, mi-raisin. Ensuite, au niveau de Revenant, alors j'ai peur qu'il y ait une petite erreur dans l'explication d'Hyper Mist à confirmer si jamais il y a des main Revenant, mais il nous dit que l'extension du temps de Forge du Shadows qui est son ulti, que vous obtenez lorsque vous tuez un joueur, enfin lorsque vous mettez un joueur KO en plus ou vous tuez un joueur, vous avez un petit boost de secondes de sa capacité ulti et de son fameux shield rouge. Il nous dit que ça va passer de 30 secondes à 3 secondes. Alors je vous avoue, j'ai pas beaucoup joué Revenant cette saison. 30 secondes, ça me semble beaucoup. Je sais pas s'il y a pas une erreur de trad. Dans tous les cas, ça va passer à 3 secondes à chaque fois que vous mettez un joueur au sol ou que vous tuez un joueur. Alors ensuite, au niveau des nouveautés, mais bon, c'est vraiment sans conséquence. On va pouvoir balancer des holo sprays tout en étant en vol quand on se déploie. Bon. Personnellement, c'est un truc dont je me fous totalement, mais bon, il fallait quand même que je vous en parle. Et puis ensuite, dans le Battle Pass de la saison 19, on aura ce magnifique skin réactif de la Rampage, qui sera donc l'arme finale du Battle Pass. Et puis en ce qui concerne Stormpoint, oui, on a vu, il y a eu d'énormes changements, mais pour ça, je vais vous faire une vidéo dédiée principalement à la map pour vous montrer justement tous les points d'intérêt qui ont changé. Et je peux vous le dire, j'ai vraiment l'impression que Stormpoint
Et pas une nouvelle map, mais pas loin. Franchement, cette saison, enfin cette année, on n'aura pas de nouvelle map, mais on ne peut pas nier que le rework de Stormpoint est vraiment énorme. Il y a eu beaucoup de travail. Donc franchement, c'est une très bonne chose. Et j'en remercie Respawn pour avoir fait ce travail. Et puis on terminera avec quelques petites informations sur le Care Package, mais je vous en avais déjà parlé, la Hellstar revient au sol. Et le Wingman va dans le Care Package, sauf que le Wingman va faire très très mal, puisqu'il va avoir un chargeur gold par défaut, donc soit 9 balles. Il va arriver avec le Boosted Loader déjà équipé comme Hoop-Up. Il aura aussi le Démon de Crâne, et puis il arrivera avec 110 munitions, et de ce que j'ai pu lire d'après des playtesters, au niveau des dégâts, ça va faire extrêmement mal. Avec 2 balles dans la tête, vous êtes mort. 3 balles dans le corps, vous êtes mort, même si vous avez un gros shield. Voilà donc les amis pour toutes les informations que j'ai pu vous regrouper. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Dans tous les cas, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée très précise en informations, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner, à liker et puis à me soutenir. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Apex Legends. Bonne journée à tous.